Ce mois de mars. Alors, le culte
ou les thèmes voudraient que vous fassiez connaissance entre vous ou entre nous, vous pouvez vous lever, aller vers le buffet, vous servir pour grignoter quelque chose, prendre un petit café avant que nous puissions donner le temps ici là. Un peu de convivialité. On échange. On se parle. Entre êtres humains de bonnes manières, de bonnes sociétés, on échange des paroles. Nous sommes à votre disposition, les hôtesses sont là. En cas de renseignements, vous pouvez prier d'interpeller une d'entre elles. Merci et bonne détente. C'est soir et là, on parle pour moi, jamais tu sais.
à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme, j'ai le grand plaisir, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, d'introduire une ravissante créature qui est l'œuvre de l'Éternel. Elle nous vient du ciel. Ainsi, artistiquement, on la dénomme Mimi Ciel. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Les femmes, on va danser. Hein? Oui, on est prêts. Ah, t'as mal au bas, pamba. Si nous sommes réellement présents, j'allais dire présentes pour les mamans, les femmes, nous applaudissons très fort notre président. Alors, la présidente, s'il vous plaît. On l'applaudit encore très fort, vous avez raison, madame. Mesdames, messieurs, très chers amis, amis aussi, je vous souhaite d'abord la bienvenue dans cette salle où nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes, telle qu'elle avait été proclamée déjà par l'Organisation des Nations Unies il y a plusieurs années, en 1975. Quel sens nous donnons à cette journée de la femme ? Pour nous, FPC, je pense aussi pour nos partenaires, la Journée internationale de la femme, c'est un moment où nous fêtons déjà, nous fêtons quoi ? Nous fêtons l'acquisition de certains droits, tout ce que nous avons pu acquérir. Mais pas que ça, nous évaluons aussi le chemin qui reste à parcourir.
parce que ce qui est acquis, il faut le consolider. Et ce qui... je m'interromps une petite seconde pour annoncer l'arrivée dans notre salle de Madame la ministre Bintou Boiré, que je vois arriver. Ministre Marielle, chargée du genre, enfance et famille. Bonjour Maëlle. Prenez place. Cette journée pour nous, oui, c'est fêter les victoires, mais aussi consolider ces acquis-là. Parce que, en fait, rien n'est acquis définitivement. Il faut consolider ce qui a été acquis. Mais aussi, il faut évaluer la distance qui reste à parcourir. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Il reste encore des droits pour lesquels il faut se battre pour les acquérir. Et du coup, c'est aussi un moment pour exprimer nos desiderata, comme on le dit, hein, pour dire, ben voilà, nous pouvons aller dans tel sens, nous battre dans tel sens ou dans tel autre. C'est aussi le moment d'encourager les femmes, de leur dire, comme le thème de cette journée, femmes dans l'espace public, c'est aussi un moment de dire, de vous encourager pour occuper l'espace, occuper la vie de la société à tous les niveaux. Voilà, c'est ça le sens que nous, on attribue à cette journée. Comme tous les ans, l'ONU détermine le thème de la Journée internationale de la femme. Cette année, c'est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe. Et du coup, cette démarche de l'ONU vise à réaliser l'égalité des sexes. Je vais m'interrompre un petit moment, permettez-le, pour annoncer l'arrivée de Madame Sandrine Louette, elle est élue municipale à Noisy-le-Sec, chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et de l'égalité hommes-femmes. Bienvenue à vous. Voilà, donc cette année c'était ça le thème, mais nous nous sommes en tout cas, nous avons adopté le thème qui a été aussi le thème de la municipalité de la ville de Noisy-le-Sec, et ce thème-là c'était « Femmes dans l'espace public ». Alors, qu'est-ce que nous vous réservons aujourd'hui? Beaucoup de choses. À l'entrée, il y a une exposition. Une exposition sur les réalisations des FPC à Noisy-le-Sec, mais aussi à l'étranger, en République démocratique du Congo, à Kinshasa, mais aussi au Burkina Faso, à Ouagadougou. Nous vous réservons aussi pendant cette soirée une tombola. Il y a des prix à gagner, dont un prix très intéressant. Il s'agit d'un départ pour deux personnes au parc Astérix. On peut applaudir un peu pour ce prix-là quand même. Et après ça, nous avons, on l'a commencé déjà, cette animation. C'est aussi un moment pour nous de nous retrouver, d'exprimer notre joie. Donc une soirée qui est conviviale, qui est dansante, qui est conviviale. On va se retrouver autour d'un buffet, un repas, d'ici et d'ailleurs. Voilà ce que nous vous réservons. Alors, vous pouvez vous interroger. Certains, en tout cas, peuvent s'interroger, mais comment l'association Femmes et Promotion de Comportement milite pour la promotion de femmes? Comment elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait réellement? Mais avant de vous répondre à cette question, je vais vous demander à tous, à toutes, nous allons nous mettre debout. Nous allons réserver une minute de silence pour la mémoire d'une femme, une épouse, une mère d'enfant, une infirmière sur le plan professionnel, la trésorière de l'association Femmes et Promotion de Comportement.
Il s'agit de Madame Pascaline Mundabi Inkone. Elle nous a quittés très prématurément en 2021. Je vous remercie, chers amis. Je tiens à préciser que M. Mundabi, le mari, le veuf aujourd'hui de Pascaline, est parmi nous. Il est debout avec la fille de Pascaline. J'aimerais qu'ils avancent au milieu pour vous saluer. Pascaline comptait beaucoup pour nous. Alors, je reviens à la question pour vous répondre. Qu'est-ce que nous faisons exactement? Nous aidons les femmes d'abord à accéder à leurs droits. L'accès aux droits est primordial, de façon individuelle, mais aussi de façon collective. Nous avons créé une plateforme d'accès aux droits, ici à Noisy-le-Sec, avec une ligne téléphonique dédiée, pour que les femmes puissent nous poser des questions, pour qu'elles soient orientées pour pouvoir accéder à leurs droits. Ce que nous faisons aussi, mais de façon collective par rapport à l'accès aux droits, c'est organiser des ateliers thématiques, notamment liés à l'apprentissage de l'outil informatique. Nous avions déjà inauguré cet atelier en 2019 pour que les femmes qui sont loin de l'outil informatique puissent apprendre l'informatique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Parmi les actions collectives aussi, il y a la gestion du budget, parce que la femme, c'est un être global. Elle peut, à un moment donné, avoir besoin d'une aide budgétaire. À un autre moment, elle va parler des luttes contre les violences faites aux femmes. À un autre moment, elle veut apprendre comment fonctionne l'environnement. Et nous prenons la femme dans sa dimension holistique. Mais ce n'est pas que ça, notre combat pour la promotion des femmes. Nous travaillons aussi pour l'autonomisation économique des femmes par le travail. C'est pour ça qu'au Burkina Faso, à Ouagadougou, un groupe de femmes a travaillé pour fabriquer du savon, savon sur base d'huile de karité. Si vous faites un petit pas vers l'extérieur, à l'accueil, nous avons quelques échantillons de ces savons. Elles ont pu fabriquer ces savons grâce à l'aide financière apportée par Femmes et Promotion de Comportement Paris. Nous avons pu revendre ces savons et au moins quelques femmes ont pu avoir à travailler un petit peu. Par cela, en RDC, dans le cadre d'un projet d'assainissement au sein d'une école primaire, nous avons aussi embauché, trouvé de l'emploi pour 7 personnes, dont 5 femmes. C'est vraiment une démarche d'autonomisation économique par le travail. Mais pas, ça ne suffit pas. FPC travaille aussi pour la valorisation des compétences. Qu'est-ce que ça signifie? Nous encourageons déjà en interne, mais aussi à l'extérieur. On encourage nos membres à pouvoir mettre en valeur leur savoir-faire. Nous avons une de nos membres qui, en pleine période de Covid, a pu confectionner des masques. Elle est une couturière, elle avait juste sa machine. Par téléphone, il fallait qu'on trouve du tissu, qu'on puisse... C'était vraiment au tout début. On ne savait pas comment faire. Elle s'est mobilisée. Elle a fabriqué des masques. Des masques mis à la disposition des Noiséens. J'aimerais ici apporter une visibilité
à Madame Monique MV, que je demande de pouvoir avancer vers le centre. Monique n'est pas la seule dans le cadre de cette valorisation des compétences. Nous avons eu Ghislaine Iboko, qui est notre membre. J'invite Ghislaine à pouvoir avancer parce que Ghislaine, quand elle est libre chez elle à la maison, elle peint, elle réalise des choses incroyables. J'aimerais bien que tu amènes la femme africaine, s'il te plaît. Elle réalise des choses incroyables. Et il fallait valoriser tout ça. Et Ghislaine n'a jamais, jamais reculé face à cette passion. C'est une passion pour elle. Et en la valorisant, elle s'est sentie bien dans sa tête, dans ce qu'elle faisait. Ghislaine a eu le premier prix sur la ville de Noisy-le-Sec par rapport à ce qu'elle a fabriqué. Alors, elle a fabriqué quoi ? La femme africaine. On l'applaudit très fort, Ghislaine. Mais Ghislaine, elle n'a pas fait que ça. Ghislaine a aussi confectionné la ville de Noisy-le-Sec, ma ville. Voilà, donc Ghislaine, elle est entre les deux, ville de Noisy-le-Sec et la femme africaine. On l'applaudit très fort. Alors, une des façons pour nous, pour lui, pour aller vers la promotion de la femme, naturellement, reste la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est vraiment la question cruciale, c'est la colonne vertébrale de ce qui nous préoccupe, de nos actions. Une ligne téléphonique aussi a été ouverte par l'association Femmes et Promotion de Comportement, une ligne téléphonique anonyme pour permettre aux femmes de briser le silence, pour aider les femmes à être orientées lorsqu'elles sont victimes de violences faites aux femmes. Et du coup, par rapport à cette thématique, nous avons développé un véritable partenariat avec la ville de Noisy-le-Sec, avec l'élu chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes, et vraiment un honneur à Madame Sandrine Louette, ici présente. Nous avons aussi développé un partenariat important avec le département de la Seine-Saint-Denis, parce que la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est vraiment... La ligne rouge, en fait, c'est l'observatoire des violences faites aux femmes. D'où ces partenariats importants. En termes d'action, de projet, avec la ville de Noisy-le-Sec, une réflexion importante pour la création de la maison de femmes, une réflexion actuelle importante pour créer un groupe de parole pour les femmes victimes de violences faites aux femmes, en partenariat avec nos collègues, l'association de Marinette, qui est ici présente et qui aura aussi un petit moment pour parler. Et par rapport au département de la Seine-Saint-Denis, un projet important qui nous tient à cœur, c'est vraiment Casa Kimia, la maison de la paix, pour que les femmes victimes des violences faites aux femmes en RDC puissent se poser, être écoutées, être orientées, pour qu'elles soient tout simplement accompagnées. Vous avez bien perçu, chers amis, chers invités, mesdames, messieurs, que notre position, elle est ici et là-bas. Parce que nous vivons en France. La France est notre pays d'accueil. Nous sommes complètement enracinés sur ces terrains qui nous accueillent. Mais il faudra bien dire que nous n'avons jamais été déracinés du pays d'où l'on vient, de notre terre natale.
d'où cette double position, ici et là-bas, pour pouvoir créer des synergies entre les acquis, les formations, tout ce que nous avons pu avoir, obtenir en France, faire des synergies avec les femmes vivant à RDC ou dans les pays africaines ou autres. Mais là, du coup, nous parlons de la RDC parce que nous avons des actions avec la RDC et aussi avec le Burkina Faso Ouagadougou. Voilà pourquoi cette position, elle est à préserver, elle est à soutenir et je pense que nous avancerons avec le département dans cette notion d'ici et là-bas. Je vous remercie pour cette première intervention. Mais je ne peux pas remettre ces micros sans vous dire quelque chose qui reste très important. Vous savez, chers amis, dans la vie, on ne peut pas avancer seul. Quand on est seul, on se dit on est content, on court vite. Mais quand on est en groupe, en équipe, on va beaucoup plus loin. Et cette idée, FPC l'a concrétisée. FPC fait partie d'une grande plateforme des associations congolaises de France. Cette plateforme qui s'appelle en sigle l'APACOF, je viens de le dire, plateforme des associations congolaises de France, elle est présidée par M. Jean Boutché Moulumba qui est ici présent. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Au sein de la PACOF, il y a plus d'une cinquantaine d'associations. Et vous savez, le fait de faire partie de la plateforme des associations congolaises, peut-être que je ne l'ai jamais dit même au président de la PACOF, je dois vous dire que effectivement, FPC a beaucoup gagné en visibilité. FPC a beaucoup gagné aussi dans plusieurs expériences. FPC a partagé des avis. FPC est écouté. FPC avance. Et du coup, je tiens à remercier l'APACOF et son président, M. Jean Boutché, que je vais inviter à pouvoir prendre la parole assez rapidement sur ce stade. Je vous remercie beaucoup. Je souffrais que je prenne les micros pour commenter la montée au podium de ce grand monsieur qui nous a encadrés il y a beaucoup d'années, il y a plusieurs années, et qui a dû intervenir avec la plateforme des associations congolaises de France lorsqu'il y a eu un grand malheur en Haïti, lorsqu'il y a eu séismes et autres événements malheureux pour ce pays, la PACOF a bougé et j'ai été intervenir en tant que maître des cérémonies sous la supervision de PACOF. Alors, un organe ou un organisme qui aide les autres mérite un tonnerre d'applaudissements à travers son pays. Encore un peu plus fort, s'il vous plaît. C'est ça, ça veut dire que la vie continue et je passe le micro au président Boutché. Merci beaucoup, Rufe Mbutanganga, la voix du peuple, le grand animateur socioculturel de communautés africaines basées en France. Mesdames les élus de Noisy-le-Sec, en particulier Madame l'élue chargée de lutte contre les discriminations, les violences faites aux femmes, Madame la ministre Bintou Boiré, tout ce que vous avez fait, et étant donné aussi que j'étais plusieurs fois à Bamako,
vous n'êtes pas une personne inconnue. Et vous nous faites l'honneur d'être là ce soir. Et je vous en suis gré. Madame la présidente de l'association Femmes Promotion des Comportements, chère Lauriana, mesdames et messieurs, les membres du conseil d'administration de la PACOF, ici présents, autour de cette table là-bas, distingués invités, chers amis, la PACOF n'est PACOF que s'il y a en son sein des structures solidement implantées dans leur territoire, ici en France. À l'image de FPC et de bien d'autres qui sont là. La présence de FPC au sein de la PACOF a apporté une dimension nécessaire à cette structure pour bien rayonner au travers le monde, en particulier en RDC. Vous avez compris, FPC est implanté en France, en République démocratique du Congo et au Burkina Faso. La PACOF, depuis 20 ans, a une compétence internationale. Nous avons compris avant beaucoup d'organisations, des migrants installés en France, puisque la PACOF est membre fondateur du Forum. Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations. Nous avions compris depuis les années 80-90 qu'il fallait que les migrants ou les Français d'origine étrangère se structurent en fédération pour être efficaces, pour mener des actions ici et là-bas. Merci, Madame la Présidente, d'avoir rappelé cette dimension d'ici et de là. Alors, aujourd'hui, un seul mot, c'est que Femmes et Promotion des Comportements a amené une touche supplémentaire. Le changement de la promotion des comportements est aussi porté par une idée cardinale, une idée force, qui est le respect que porte vraiment Femmes Promotion des Comportements et sa présidente, parce que nous avons compris que le respect était au cœur de tout, tant ici que dans les pays d'origine. Respect d'abord de la femme, puisque nous sommes le mois des femmes. Ici, on parle aussi des violences faites aux femmes. C'est parce qu'il n'y a pas de respect. Les gens ont manqué la notion de respect. La violence ou les violences, les maltraitances, les discriminations liées au genre, même à l'embauche, c'est parce qu'il n'y a pas, on ne respecte pas la femme en tant que vraiment celle qui donne la vie. C'est encore pire dans les pays en voie de développement ou bien dans les pays émergents. Tout ce qu'on peut dire, mais c'est, dans nos pays d'origine, la situation est encore dramatique. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a des dizaines de femmes qui sont violées, qui sont tuées à l'est de la République démocratique du Congo, d'une manière tout à fait barbare, mais gratuitement. Parce que ces femmes n'ont qu'une préoccupation, aller au champ, cultiver pour nourrir les familles. Voilà. Donc, je pense que Femmes Promotion des Comportements a toute sa place, et dans la vie de Nazilesek, et dans notre département de la CNCMI, et en Afrique tout entière, en particulier en RDC, où l'association porte déjà des projets. Et je compte beaucoup sur le département de la CNCMI, notre département, le meilleur département de la France, puisque je suis ici, voilà, bientôt 40 ans. Hein, dans le même département, je n'ai pas bougé. C'est que j'aime bien ce département. Hein, c'est le meilleur de France.
questions qui vont intervenir. Vous êtes à l'honneur, mesdames, présentez-vous ici au podium. Venez nous rejoindre, mesdames. Bon, dans la culture anglo-saxonne, on applaudit à chaque fois qu'il y a un mouvement. Alors, pour ces dames, beaucoup d'encouragement. Chacune d'elles a une question à laquelle vous allez répondre. Vous allez répondre à toutes les questions qui seront posées ici. Soyez attentifs et attentives, mesdames, messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Marie-Lette Mendy, présidente de l'association de laboratoire de la femme et partenaire véritable de l'association Femmes et Promotion des Comportements. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Quel est le pourcentage de femmes travaillant dans le bâtiment en France? 5%, 12%, 22%. 5%, 12%. Celle ou celui qui a la réponse, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Je dirais 12%. Je dirais 5%. Il y a très peu de femmes dans le BTP, donc 5%. Je dirais 12%. Moi, 5%. Les métiers du bâtiment, c'est quoi? C'est celles qui prennent les commandes? C'est l'administration? C'est les cabinets d'études? Ou c'est celles qui cassent le béton? Je pense qu'il y a une distinction à faire. Par exemple, je sais qu'en fac d'électronique, il n'y a toujours que 5% d'étudiantes en France. Donc, dire que beaucoup de femmes accèdent aux métiers techniques, ce n'est pas forcément vrai. Mais voilà, la question mérite d'être un tout petit peu précisée. Et la réponse est 12%. Bravo, il y a eu, je crois, trois bonnes réponses. Ok. Je m'appelle Amina Niaoui, présidente de l'association Trésor Arbre de Paix, une association pour les enfants, pour l'épanouissement des enfants. Alors, la prochaine question est la suivante. En France, quel est le pourcentage des rues portant un nom de femme? 2%, 15%, 51%. 2%. Non, plus. D'accord. Alors, la bonne réponse est 2%. Bravo. On vous applaudit, s'il vous plaît, mesdames. Passons à la troisième question, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Emmanuel Bricky-Maketa. Je suis membre fondateur de l'association Femmes et Promotion de Comportement, membre du bureau, et j'occupe le poste de secrétaire de l'association. Alors, la question est la suivante. Quel est le pourcentage de femmes qui déclarent avoir été victimes d'un acte ou commentaire sexiste au moins une fois dans leur vie? 27%, 53%, 76%, 99%. Attendez. 53%. 53%. Non, monsieur. Ah! Combien? 96%.
76, je crois qu'on a mal compté. D'accord. Madame Elou. La bonne réponse, c'est 99%. L'espace. Partageons l'espace. L'espace public. Les hommes et les femmes, partageons l'espace. Attention, question numéro 4, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes. En France, combien de femmes ont-elles été nommées Premier ministre? C'est 4, 2 ou 5? Nous avons la deuxième Premier ministre maintenant, donc c'est 2. C'est combien? Alors, nous allons découvrir la bonne réponse. La bonne réponse, c'est deux. C'est Edith Cresson et Madame Borne. Veuillez m'excuser, tout à l'heure, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Madame Botté-Jeannette. Je suis présidente des associations des archanges et je suis membre de la PACOF. Ah. Wow. PACOF, bien présente en nombre. Madame. Bonjour, je suis Danielle, je suis membre de l'association FQC depuis 2015 et actuellement je suis trésorière. Quelle est la place des femmes concernées par la problématique de la précarité menstruelle en France en 2022? 5%, 10% ou 15%? Je suis à votre service pour permettre à tout le monde de... 15%. 10%. Je pense qu'il y a plus de 15. Je dirais 15. 15%. Alors 15%. 15. Les hommes commencent à parler. C'est 15%. La réponse? La réponse est effectivement 15%. Attention, c'est la dernière question, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir. Je suis Madame Bobina Élise. Je suis secrétaire générale de l'association Les Colombes Transfrontières et qui milite pour la promotion de la femme au point de vue santé, social et culturel. Et je suis aussi conseillère de quartier à Boulogne-Billancourt. Alors, ma question est celle-ci. Quelle est la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix? Là, il n'y a pas de chiffres. Hein. C'est Madame Wangari Maathai. On continue. Miriam Makeba. Miriam Makeba. Miriam Maathai, kenyane, celle qui a compté les arbres. Maathai. Ah, l'autre qui disait ma taille, j'ai cru que c'était ma taille. C'est pas votre taille. Alors effectivement,
c'est Madame Wangari Mouta Matai en 2004. Biologiste, professeur d'anatomie en médecine vétérinaire et militante politique, elle a été surnommée la femme qui plantait des arbres à la suite de son engagement contre la déforestation au Kenya. Merci. Merci mesdames, merci pour vos questions. On vous applaudit très fort mesdames. De l'égalité homme-femme, Madame Pascale Labbé, que vous allez applaudir, que nous allons applaudir très fort. Merci beaucoup, Pascale, d'être avec nous. Nous allons, passer à la table ronde, même si quelques collègues sont en retard. Bougez, bougez, nous n'avons pas bougé.
Elle a